On n'apprend jamais rien dans la facilité. C'est parfois ce que l'Éternel veut, le Seigneur veut nous dire, c'est que parfois on a beau essayer, mais de faire des choses, d'entreprendre, et parfois on va mettre plus de temps à y arriver. Ça va être plus difficile, mais le mérite va être plus grand. Et c'est pour ça que on n'apprend pas dans la facilité, on apprend vraiment dans les combats, dans la vie de tous les jours. Voilà, dans le travail, dans toutes les choses de la vie. Dieu n'a pas voulu que ce soit facile d'obtenir, par exemple, sa nourriture. Il a voulu qu'on travaille pour ça. Donc, c'est pour nous montrer vraiment que la facilité n'aide pas les gens. Voilà, quand vous voyez votre enfant, vous lui dites parfois qu'il faut faire des efforts pour obtenir quelque chose, pour avoir des bonnes notes. On leur dit, si tu as des bonnes notes, je t'achèterai telle ou telle chose. Voilà. Et c'est par mérite. Malgré que le salut n'est pas par mérite, c'est une grâce. Mais on n'apprend pas vraiment dans une épreuve ou dans quelque chose s'il n'y a pas eu un petit peu de lutte et de difficulté. Voilà. Voilà, c'est là, l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. On voit vraiment que les grands millionnaires qui n'ont pas les grands les hommes les personnes vraiment vraiment riches qui ont acquis des richesses sans rien faire sur le dos des autres, et ben on voit que cet argent ne leur profite pas et qu'il est vraiment qu'ils sont en dépression, qu'ils sont sous médicaments. Voilà. Par contre, quelqu'un qui a gagné sa richesse à la sueur de son front, il a été béni par l'Éternel. Donc voilà, ne soyez pas découragés quand il y a des situations difficiles. Voilà, l'Éternel est toujours à vos côtés. C'est la vie qu'il a voulu pour nous.